Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et bienvenue aujourd'hui dans ce deuxième épisode de Spider-Man PS5. Miles Morales, je sais pas si je dois dire Miles Morales PS5 ou Spider-Man PS5, je pense que Spider-Man PS5, comme vous comprenez bien de quoi on parle. J'ai changé la caméra d'endroit, alors pourquoi? Tout simplement parce que, alors je vous avoue que c'est pas évident de caler la caméra quelque part sur ce let's play, parce qu'en fait, voilà, là ça bloque des trucs, mais en même temps, au niveau des tenues, vous savez, bah, en fait ici, regardez en haut à droite, du coup, on comprend mieux ce que c'est que ça. Je me posais la question la dernière fois, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, voilà, ça me rend invincible. Résistance aux dégâts de mêlée 25%. Donc, je pourrais la mettre en bas, au milieu, à gauche. À... Bon, c'est pas méga pratique. Donc, on va essayer de faire ça en partant du principe qu'on sait que là-haut, notamment ici, eh bien, c'est les différentes tenues, hein, vous voyez, qui sont là et tout comme ça. Voilà, je ferai au mieux. De toute façon, au moment où je tourne, j'ai absolument pas vos retours. Il faut que vous le sachiez, ça. Je sais pas si je vous l'avais précisé, mais voilà, sachez-le. C'est-à-dire que je tourne ça. On est actuellement le 4 novembre. Donc voilà, je n'ai absolument pas vos retours. Je prends de l'avance parce que le jeu, j'ai le droit de vous le diffuser pile poil la semaine de mon déménagement. Donc... Ah effectivement, je peux plonger comme ça. Donc voilà, donc j'essaie de prendre un petit peu d'avance. En tout cas, qu'est-ce que j'aime ce jeu, véritablement. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cool. Alors je vais pas faire toutes les missions secondaires, hein, je vous le dis. Hein. Je vais pas faire forcément toutes les missions secondaires. Mais en tout cas... Hop, on va faire la chute libre. Olé! Tellement bien. Mais on en fera peut-être de temps en temps et tout. Bon, de toute façon, comme d'habitude, nous on se concentre, vous le savez, dans les let's play, à 90% des let's play, on se concentre sur l'histoire principale. Oh là 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 là, c'est tellement bien. Véritablement. J'adore. J'adore me déplacer comme ça et tout. L'ambiance qu'il peut y avoir dans ce jeu, c'est incroyable. Alors, on est arrivé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller ici. Et on va voir ce qui se passe. Bonjour, je suis Simon Krieger. Et cette chose à côté de vous est un réacteur à nuforme. Une fois activé, ce réacteur fournira suffisamment d'énergie pour alimenter tout Harlem. J'entends d'ici vos questions. Simon, comment est-ce possible? Ma réponse, c'est le nuforme. Une seule bonbonne de cette invention révolutionnaire suffit pour fournir Harlem en énergie propre et sans danger pour les 5 prochains siècles. Un peu Octopus, hein, avec son soleil. Bientôt, nous installerons des réacteurs à travers Manhattan et ensuite dans le monde entier. Tenez-vous prêt pour une planète qui carbure au Nuform. Eh bien. Roxxon, nous sommes là pour vous. Ok. Oh, c'est beau graphiquement. Ah. Ah ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, à l'intérieur d'un bâtiment. Oh, les reflets au sol, regardez. Grand monde. Ils ont vandalisé des trucs. Oh, c'est beau. Ils cherchaient peut-être quelque chose. C'est incroyable comme c'est beau. Vraiment, les reflets, j'adore ça. Ça change totalement la gueule d'un jeu. Ils ont fait une recherche. Oh oh. Qu'est-ce qu'ils comptaient faire? Y'a Thanos. Ok, c'est reparti pour de la baston. Ok, ça va être chaud. À froid et tout comme ça là. Vas-y, le point. Allez, le point, le point. On se fait un petit peu tout le monde. On va essayer de se faire lui déjà. On se rappelle. Hop là, voilà, de tout ce qu'on m'a appris. Hop. Coup de grâce. Le fameux coup de grâce. Ok, tellement stylé. Hop. Voilà, on apprend, on essaie de mettre un petit peu à profit tout ce qu'on a appris. Attention à lui. Attention à lui. On va aller sur lui directement. Oh là-haut. Oh, c'était beau ça. Oh, c'était beau. Est-ce que je peux attraper tout ça? Alors le problème par exemple de la caméra où je suis, c'est que je vois moins ma barre de vie, vous voyez. Enfin bref, il y a toujours un petit souci. De caméra quelque part, attention. Oh, je lui ai renvoyé ça. Oh, ça c'était stylé. C'était même pas voulu. Et c'était extrêmement classe. Il y a beaucoup de monde. Oh la vache. Il y en a énormément. Hop. Toi, prends ça. Allez, 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 allez.
attention à lui. Hop, 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 hop. Coup de grâce. Coup de grâce, voilà. Liquidation. On essaie d'en faire et tout, on essaie de valider les trucs en même temps. Oh, oh, oh. Vite, grimpe. Ok, bonjour. Oula, attention à eux. On va faire le point. Pour l'instant, je suis en train de réussir eux. Go le point, ok. Hop. Vas-y. Le coup de grâce. Le petit coup de grâce qui passe ici. Oh là là, toujours aussi nerveux ce jeu. Hop. Vas-y. Ok, le coup de grâce qui passe. Là, ça parle en même temps. Et là. Oh, attention. Attention à ça. Ils sont où? Ils sont là. On va finir lui vite fait. Vite, on va sur lui. Hop. Prends-toi ça. Ok, on est bon. Il en reste. Il en reste encore. Vache. Vite, envoie. Ok. Faut se faire eux. Hop là, voilà, chute forcée. Donc on essaie comme ça de faire un peu plus de trucs. On essaie de les buter. Puis je crois que c'est bon. Ok. Grâce. Hop. Oh la vache, tout ce qu'il y a. Le petit coup de grâce qui passe ici. Il faut que je pense aussi à faire l'autre coup que j'avais appris. Voilà, ça comme ça, là, le petit rayon. Alors là, évidemment, ils étaient pas dedans, mais attention, on sort d'ici. Grâce ici. Oh là là là, ça ne s'arrête plus, mesdames, messieurs. Véritablement, cette mission-là, elle est folle. Attention, c'est ça. C'est chaud. Ouh, on prend ça. Ok. Attention. Il est où? Petit temps de pause. Hop. Et ça. Je me suis heal au cas où. Je pense que je rechangerai la cape de place après. Au final, je pense que au quotidien du let's play, j'allais dire, elle est mise en haut à droite. C'est juste dans les menus que ça peut, un peu gêner. Ok. Mais dis donc, c'était... Wow. C'était quand même vachement... vachement chaud. Hein. Ils ont tenu forme. Mais pourquoi? Les gardes de Roxxon, ils s'occuperont du reste. Je m'occuperai de ça plus tard. Est-ce qu'on a fini? Ouh! On a terminé. Eh ben, c'était quand même une mission qui était stylée, mais qui était complexe. Niveau supérieur, niveau 4. Parfait. Ouais. Il faudra qu'on voit 5% de dégâts aux ennemis. Très bien. Je vais faire une petite ellipse le temps de changer de place la cam. Et on repart et on voit en même temps les points de compétences. Donc, allons voir les compétences, les amis. Puisqu'on va voilà, appuyer sur L1 plus croix. Paralyse des ennemis proches. Je pense qu'on va prendre ça. Parce qu'après, sinon, on a possiblement ça maintenant. Triangle pour exécuter une attaque bioélectrique ramenant l'ennemi vers vous. Ah si, c'est bien ça. On va prendre ça. Ok. Très bien, retour éclair faisant partie des techniques. Parfait. Bon alors, maintenant il faut qu'on aille juste ici. On est parti. Ouh, j'ai failli me prendre le truc. On continue de faire des... Oh là, c'était stylé. On continue de faire des trucs. Histoire de valider un petit peu des... Bah, des choses en même temps. Hop là. Ok, on y est. Alors, comment est-ce qu'on rentre? C'est juste là. On est parti les amis. Pour la mission... Suivant. Trop froid pour se changer. Ah, c'est son appart, donc. De ce que j'en comprends. Ou chez sa mère, peut-être. Sûrement chez sa mère. Ok, très bien. Alors il y a plein de choses, on peut voir plein de choses. Il reste deux semaines.
On va passer des nuits blanches à fabriquer du speeder équipement. Ah non, c'est peut-être chez lui, je sais pas. Je sais pas. Il m'a emmené voir ça. Il était en larmes à la fin. Moi aussi. Non, je pense qu'il est. Je pense qu'il est chez lui. Je sais plus. Très honnêtement. Ah, peut-être pas. Vu qu'il devait aller voir sa mère. Ils l'ont certainement dit dans les dialogues en bas, mais j'étais concentré, donc j'ai pas forcément suivi. On va vite avoir la réponse. Oh, à mon avis. Oui. Rien de grave. Un peu de sauce. Je vous nettoie ça. C'est clairement pas chez lui. Et voilà. T'inquiète, mec. Ay, bendito. Mijo, que guapo. Gracias. Eh, c'est bien ça, c'est chez on sa mère. On a une visite ce soir. Tu pourrais arranger l'appartement? Oh, et mettre une petite musique. C'est beau, j'aime bien. Ah, Nadia. Sérieux? On réveillonne avec ta directrice de campagne? Le rassemblement ne doit pas s'organiser tout seul. Merci d'avoir tout mis en place, Mijo. Allô? C'est beau, j'aime beaucoup, franchement, les effets de lumière et bon, tout son. Je dois mettre une ambiance de dîner de Noël. Je me demande qui maman a pu inviter. Oh, ça donne envie. Oh, ça donne envie. Pardon. Alors, une ambiance de dîner de Noël. Eh bien, déjà, on va allumer le sapin, peut-être, pour commencer. Ce serait plutôt pas mal. J'aime bien aussi les petites quêtes plus calmes, comme ça. Moi aussi. Il y tenait énormément. Un vrai Noël, c'est un Noël à Brooklyn. Oh, c'est beau avec ça la neige. De l'entendre dire ça. C'est vrai que c'est quand même... C'est quand même très sympa. On va mettre un petit peu de musique. Ah. Hé, hey, maman. Ils sont où, les disques de papa? Ils doivent être dans ma chambre. Ok. Merci. Allons les chercher, là. Est-ce que je peux courir ou sprinter ou... J'ai pas l'impression, pour l'instant. Maman non plus a pas fini de déballer ses affaires. Ouh la vache. Ah oui, alors là. C'est trop à bois, là. Tapisserie. La tapisserie a un certain c'est quoi, look, ça hein. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dans le mauvais carton. Un vieux dossier de police de papa. Mm-hmm. C'est qui le rôdeur? Je me demande si papa l'a attrapé. Ok. Je m'étais pas replongé dans tout ça depuis l'hôtel de ville. Vas-y, examine si tu veux. L'album préféré de papa. Il le mettait tous les dimanches en faisant le café. Très bien. Alors, moi, ce que je veux, c'est le vinyle. Celui-là c'est devait pas être ça. À oncle Aaron. Papa l'écoutait jamais, mais il s'en est jamais débarrassé. On va prendre celui-là. Il ira très bien. Ok. Ça va pouvoir mettre ça tranquillou. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman a dû en commander près d'une centaine, parce que l'article parlait de papa. Qui est Spider-Man? Est-ce que ses parents savent? Ah non, elle sait pas. Elle ne sait pas. Alors, donc... On écoute quoi, DJ? Meilleur disque de tous les temps? Attention, petite musique. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu. C'était à Oncle Aaron. Ok. Ça reste un bon album. J'aime bien comme ça les vinyles. Ah, dans le salon, ça rend classe. Cette sonnette ne marche plus. Ça rend très classe. Max, tu peux y aller? Bien sûr. Bah oui. Ok, on y va. Ça fait longtemps que c'est vraiment super beau, le nombre de petits détails, c'est trop trop beau. Finn? Salut. J'ai réparé ta sonnette. Ça me fait trop plaisir de te voir. On s'est pas vu depuis... Des mois. Il y a eu du changement. Ouais, ça c'est sûr. C'est notre invité d'honneur. Rentrez tous les deux. Le dîner est presque prêt. Ah mais cette déco, c'est incroyable. Cette déco de Noël qu'elle a fait. Il y en a parmi vous qui ont des décos aussi poussées. Madame Morales. Tu nous as manqué. À lui en particulier. Ah, salut. Finn, voici Ganki, mon pote du lycée Brooklyn Visions. Ganki, voilà Finn, ma meilleure amie. Enfin, avec ouais, meilleure amie. Ah ouais, vous avez gagné le concours de sciences au collège, c'est ça? Vous aviez fait un... Convertisseur d'énergie. Chips. Oula. L'électricité dans ce bâtiment est une catastrophe. Je vérifie le disjoncteur. Alors, ok, qu'est-ce qui se passe? Noël, est-ce qu'il va pas y avoir un bordel pendant Noël? On a fait ça en réparant la sonnette. On va voir ça. Oula, attendez, c'est moi qui vais devoir ça faire ça. Ça marche pas. Le coupe-circuit est pas alimenté. C'est coupé dans toute la rue, on dirait. Je vais aller jeter un œil sur l'escalier de secours au cas où. Bah tiens. Mais fais attention. Oui, t'inquiète pas, ça devrait plutôt bien se passer. Transformateur en passant par là. Bah oui, voilà.
C'est cool, j'aime bien. Puis sur R3 pour chercher des indices. Ah, on a un sens de l'araignée là. Très bien. Alors, attendez, ça vient là. Ça va jusqu'à. Oh, il y a des mecs. Il y a des gens sur toi. Je peux pas monter. Il y a des gars. Ok, on va descendre là. Je peux pas descendre ici. J'ai hâte que le réacteur de Roxxon marche. On n'aura plus ce genre de problème. Je sais pas. Le SAV de Roxxon est une vraie blague. L'autre jour, ils m'ont laissé 2 heures en attente. Discrétion. J'espère que personne ne peut me voir là-haut. Je pense pas. Par contre, là, faut aller où ensuite? Tu peux passer là? Non. Par en dessous? Je peux rentrer là si regarde je veux. Par la fenêtre. Regarde pas par la fenêtre. Vous croyez que Miles s'en sort dehors? J'espère. C'est chez nous! C'est notre sapin! Pas ok, go. On y va. Bah, l'immeuble est sympa, ils sont dans un immeuble qui est pas mal quand même. Ok, on y va. Alors, L1. Ah, bah oui, avec son pouvoir, évidemment. J'y avais pas réfléchi. Je dois rentrer en vitesse. Dépêche. Oulala. Oula, ça fait peur. Allez, Ganki. Miles est toujours dehors? Et si on prenait. Ah, lui, il est au courant, bien sûr. Maintenant? Ouais, parce que les bons moments, faut les immortaliser. On n'attend pas Miles? Non, il a horreur des photos. Allez, rapprochez-vous de moi. Prêt? Mais t'es bête, fais pas un selfie. C'est magnifique. Un selfie, ils auraient pu voir derrière. Oh, tiens, Miles. On passe à table? Bah, tiens. Vous pouvez aller vous asseoir. Je m'en occupe. J'aime bien. Ça sent bon. J'espère pas me faire démonétiser. J'aime bien l'ambiance du jeu. Franchement, j'aime beaucoup. Finn, raconte-nous un peu ce que tu deviens. Toujours dans ton club de robotique? Je l'ai quitté. Mais j'étudie la biotechnologie de mon côté. Crâneuse. Oh, tu peux parler? Tu portes une cravate pour aller à l'école. Eh, hey, seulement les mardis. Does your brother Rick still work for Roxxon? Pourquoi? J'arrive pas à croire. Ça n'a pas été traduit? Encore pour eux après votre campagne. Vous avez vraiment démoli Simon Krieger. Ça me fait penser. Ganki, les réseaux sociaux, c'est ta spécialité. Tu peux faire circuler l'info pour le meeting de demain? Ouais, à minuit, on parlera que de nous. Ok, très bien. Parfois, j'ai l'impression que c'est Simon Krieger, mon véritable adversaire. Bah tiens, comme par hasard. Roxxon a une influence énorme ici. Et ton fils, il le fréquente. Personne d'autre qu'à leurs actionnaires. Il nous faut quelqu'un qui se batte pour la communauté. Ça, c'est maman en mode politicienne, au cas où vous auriez pas remarqué. Est-ce que vous voulez relire ça avant que je le publie? Oui! Attends avant de l'envoyer! Franchement, on se croit vraiment dans un film. Hein. Regardez les ombres sur le plan de travail. Est-ce que t'as des soucis? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, t'as l'air... je sais pas... préoccupé. Est-ce que tu veux m'en parler? Pas ce soir. C'est Noël. T'es pas trop triste d'avoir quitté Brooklyn? Franchement, ça va. Ah, t'as le cafard? Non. Traduction, je suis triste, mais je suis trop gentille pour le dire. Non, c'est juste que je connais personne ici. Et en plus, je suis toujours obligé de demander mon chemin. Faut trouver un bon restaurant, un bon coiffeur et un terrain de basket. Tu t'adapteras. Sinon, ça te dirait qu'on se voit demain? Nous deux, tranquille. T'es sûr que t'as le temps? Oh, c'est les vacances. Je peux passer au moins une semaine sans faire des devoirs. Ok, je t'appellerai. J'ai trop hâte. J'ai hâte qu'on se voit entre amis.
Ouh là là. Je vois que t'es toujours aussi doué avec les filles. Ouais. Aïe, 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 aïe. Terrible. Miles. Quoi? T'es réveillé? Non. Je suis resté debout toute la nuit pour créer une appli pour ta tenue. Elle a un système d'exploitation de malade, j'ai jamais vu ça. Mais je l'ai passé dans un désassembleur pour décortiquer l'architecture du plugin et... Il s'est rendormi. Ah, tu viens de te rendormir, pas vrai? Miles! Je dors pas. J'ai presque fini de la compiler. Ah, merci. Tu veux essayer ma nouvelle appli? Ouais, bah ouais, vas-y. Tu veux. Je suis connecté à tes analytiques. D'accord. C'est parti pour le test. Ok. Alors. Je peux voir tout ce que tu vois. Comment tu fais pour pas gerber tout le temps? Oh, que je t'entraîne. C'est beau, la vache. Glissez vers la gauche sur... Ok. Bienvenue dans mon application Araignée 1.0. Ok. Elle permet aux New Yorkais de demander directement de l'aide et de signaler les crimes en cours. Chouette l'interface. Merci. Oh, regarde, quelqu'un vient de faire une demande. Sélectionnez la mission. La demande provient d'un certain Aaron Davis. Quoi? D'accord. Il sait que tu es Spider-Man? Non! Ça doit être une coïncidence. Je me dirige vers la station de métro. Donc en fait, on a moyen, c'est le moyen d'avoir des missions un petit peu secondaires en fait, genre, de ce que j'en comprends. Bon là, pour l'instant, c'en est une principale parce que ça me l'explique. Mais je le vois un petit peu comme ça. Hop, wow, j'arrive pas à me reprendre. Ah bah c'est bon, on y est. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Vous avez demandé de l'aide? C'est Spider-Man. En fait, il prend pas la même voix pour pas qu'on ouais, le reconnaisse. Je sais. Aaron Davis. Je crois que quelqu'un a touché au capteur. Je reçois des données corrompues du relais principal en haut de Grand Central. J'y vais. Attends. Attends. Quoi? Où il est, l'autre Spider-Man? Oh, il est en vacances. Mais vous en faites pas. Je gère. Ouais. Allez. On est parti. C'est bon. 2000 mètres quand même. Hop là, on fait ça. Ici Spider-Man. Salut. Au fait, c'est pratique. Il y a eu un cambriolage à côté la nuit dernière, à Roxon Plaza. Un groupe appelé l'Underground. Il traînait à ma station ce matin. L'Underground. Ok, on a fait des petites figures en même temps. Ils se considèrent comme la nouvelle mafia. Ça fait un bout de temps qu'ils existent. Mais ils ont un nouveau chef, Tinkerer. J'aime bien faire ça. Merci pour le tuyau. Et sinon, on va pas très vite, mais j'aime bien. Pour lui demander de l'aide. On pouvait pas vraiment te joindre. Ok. Je me suis dit que t'étais la personne. Et on fait des trucs sympas. Et ça fait longtemps que vous travaillez dans le métro? Non. Go. J'ai toujours peur de me foirer au dernier moment, ouais. Mais. J'avais besoin de changement et je me suis dit que ce boulot était un bon début. Mais les trains qui tombent en panne pendant mon service, ça la fout vraiment mal. Eh ben, quand on aura résolu le problème, vous pourrez dire à votre patron que vous avez fait preuve d'initiative en utilisant l'appli araignée sympa du quartier. On monte tranquillement. Bonne chance avec les capteurs. Merci. Ok. Allez, on y va. On y va. On monte tranquillement dans ce qu'il y a à faire en même temps. Et on arrive à la gigatour. Waouh. Ok. Attention. On est parti. Ouh, ça passe. Ok, ça passe. Par où je passe là? Par en bas, je peux sortir par là? Est-ce que je peux vraiment sortir par là ou pas? Non, je ne peux pas sortir par là. C'est bien ce que je me disais. Par où je peux sortir d'ici? Là-haut. Comme ça. Attention. Venir là. Est-ce que je peux m'accrocher tout là-haut directement? Non, je crois pas. Pas d'aussi bas. On va grimper.
Vas-y, grimpe, on est parti. Hop là. Voilà. Et maintenant, d'ici... Ah, du coup, je peux sprinter, oui, je peux sprinter, comme ça, très bien. Très bien, très bien, très bien. On est reparti, c'est juste ici. Ok. Voilà les capteurs. Alors. Les capteurs. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a beaucoup trop de câbles sur celui-là. Ça doit interférer avec le signal. Mm-hmm. R3 pour scanner les câbles. Ils vont où ces câbles? Bah, on peut suivre. On peut suivre, on peut suivre, on peut suivre les câbles. Ils vont là-dedans. Eh oui. Est-ce que je peux rentrer? Ouais, j'ai l'impression. Bon, par contre... Oh! Lorsque les ennemis ont des soupçons, le symbole apparaît et ils commencent à fouiller la zone. Ok, on le défonce. Encore eux, hein. C'est bon, il est KO. Il y a quelque chose qui brouille les signaux du relais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est du matos de dingue. Ça me plaît pas, mais... Ah, il a pas réussi. Les capteurs remarchent. Ah si. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis occupé des types qui jouaient avec. Et on dirait qu'ils ont oublié quelques-uns de leurs gadgets. Je vais devoir vous rappeler. Waouh. Je peux m'en servir pour fabriquer les holodrones que Pete a conçus. Un truc fou. Regardez, regardez. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si on reverra, mais... Le gars, je l'ai allongé à un certain endroit dans la pièce et la cinématique l'a pris en compte. Il est vraiment à cet endroit-là. C'est fou. Ok, maintenez sur le holodrone pour le fabriquer. Alors. Ok. Débloquer de nouveaux gadgets amélioration. Vous pouvez gagner des jetons d'activité et des pièces high-tech en terminant vos activités dans la ville. J'ai jamais vu ce genre de fréquence radio. D'accord. Je peux peut-être la pister. Il y en a pas mal d'autres du même genre ailleurs en ville. D'accord, ouais. Alors, et bah du coup, il faut que j'en fasse une. Par exemple, je sais pas, pièce high-tech. D'accord, il y en a plein. Oh. C'est oh la vache. Les R1 pour le menu des gadgets. Ok, je peux prendre les holodrones. Et ensuite R1. Ok, ça attaque. Ah oui, j'envoie un drone, regardez. Un holodrone. Attention. Hop, on défonce. Oh, pas au-dessus. Je suis dessus, je voulais pas. On va les défoncer. Attention, attention, attention. Hop, vas-y, remets-moi ça. Je veux lui, là. Voilà. Parce que lui, il m'embêtait depuis tout à l'heure. Lui, on va se le faire. Hop. On le défonce, on le défonce. Ok, maintenant, toi. Grâce. Hop là. Ça, ça doit être fait. Et ensuite, on va venir là. On va faire. Non, c'est pas ça, c'est. Comme ça. Ok. Attention. Plus forcément de soins d'ailleurs. Oula. Oula là. Attention. Attention. Ouf. On a du soin un tout petit peu. On va surtout se concentrer. Ce qu'on a à faire. Attention à lui. Et là du coup on va faire ça. Oh oui, là c'est bien visé cette fois. Ok, on va faire lui rapidement. Et le coup de grâce. C'est bon, il est KO. Il est KO. Il reste des gars là. Attention. Hop. Lui c'est fait. J'espère que les trains sont partis. Ok. Vache. Ah, ce qu'on s'est pris? Quoi? Ouais, monsieur Davis, qu'est-ce que ça donne chez vous? Le signal est revenu, mais toujours pas de train sur les voies. Il a dû se passer quelque chose au dépôt. Ouais. C'est l'underground qui avait touché à vos capteurs. D'ailleurs, vous savez si Roxxon utilise le métro pour transporter des uniformes? On y va. Roxxon? Le métro a été conçu pour transporter des gens, pas des marchandises. Mais il y a eu des changements sur cette ligne quand Roxxon passait. Puis sur la droite pour marquer un... Alors, il pourrait l'utiliser okay, de façon très bien. Clandestine On y va, on y va, on y va. Vous me parliez d'un frère? Vous avez de la famille? Je les ai pas vus depuis longtemps. Ah, il l'interroge.
surtout. Razmod 3, on est bien. Peut-être que vous pouvez le revoir maintenant. Enfin, les revoir. Votre ami. J'espère, petit. Bon, je vous laisse. Ouais. Laisse, vas-y, va. A plus. Pas du tout suspect. Surtout qu'on reconnaît à sa voix, quoi. Quand même. Un petit peu. Ok. J'essaie de faire du Razmod en même temps. On est bien là. Mordu de vitesse, 320 sur 360. Ok. Razmod, on est bien, on avance. Hop là. J'aime trop. C'est vraiment trop cool. Ok, alors. Va pas falloir faire de bêtises cette fois. Oh, je dis oui. Allez, bagnez-vous. Nous a dit de pas traîner. Alors, R3 pour afficher les ennemis. L2 pour viser un objet. Ok, R1 pour lancer une toile. Ok. Ouf. Ok. Il y en a beaucoup quand même là. Il y en a quand même beaucoup. Je devrais essayer les lentilles de Peter. Les lentilles de Peter. L2 visait. Maintenant je peux les suivre. Ouais, alors sauf que là les gars, ok voilà. Sauf que là c'était sûr qu'à faire ça, vous allez vous faire repérer. Attention. Hop là, on est parti. Hop. On fait tous les trucs. Coup de grâce prêt. Voilà. Même. On refait le coup. Attention. Voilà. Je sais pas si je peux les viser. Oula, attention. Go. Attention à sa bombe à lui. Le coup de grâce. Hop, directement. En fait, la visée, c'est un peu leur sauter dessus. Comme ça, genre. Hop là, voilà. On les défonce. On en aura fait quelques-uns discrètement, quand même. Ma vie. Okay, monte. Toi, là-bas. C'est pas lui que je voulais faire, mais c'est pas grave. On fait. Ok. Allez, on le défonce. Ici. Hop. Allez. Ça dégage. Ça tombe. Il en reste. Et le coup de grâce. Bim. Ok. Il en reste un là-bas. C'est un cadeau. Ok. Il est pas mort. Non, tu feras rien du tout. C'est bon cette fois. Je les ai tous eus. Oh, la vache. Sur les voies, les commandes doivent être dans le bureau. Ouais. Ok là. Alors. Non. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Tinkerer. C'est leur chef d'après Onclaron. Ah. On l'a déjà vu lui, non? On l'a pas déjà vu quand tu étais chez notre mère là? Si, non, il me semble bien. Oh non. Ils ont détruit les commandes. Ah. Alors, est-ce que tu peux réparer ça? Tu peux faire un truc? Examine. Je dois remettre les wagons sur les voies à la main. Ou à la toile. Amuse-toi. Il y a une plaque tournante. Faire tourner la plaque et tirer les wagons avec des toiles. Ça devrait marcher. Attends. Et lui, c'est ça bon marche. Ouais. Presque. Je dois me mettre en face. Je dois te mettre en face. Pourquoi t'es pas bien là? T'es pas bien? Vas-y, on va se mettre en face si tu veux. Vas-y. Ah oui, non, très bien. Ça va pas, ça. Ah oui, mais c'est pas ça que tu veux faire, toi. Ok, on fait n'importe quoi. Attendez. Viens là. Là, maintenant, tu fais ça. Voilà. C'est celui-là qu'il faut viser. Je devrais le contacter en tant que Miles. Mon père m'a jamais dit ce qui s'était passé entre eux. Est-ce que je peux encore le reculer?
Est-ce qu'il faut que je le recule dans ce sens-là? Peut-être ou pas? Ouais, nickel. Les autres maintenant. Ok, alors. D'abord, l'Underground cherche des cargaisons tenues formes et après, il coupe le métro. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va tourner ça. Et de là, je devrais pouvoir en ramener. Hop, voilà, parfait. Donc lui, déjà, ici, vas-y. Attention, parce que... Wow, je vais me prendre le truc dans la gueule. Ok, c'est bon pour toi? Ou il y a lui encore à faire? Non, lui, il me paraît impossible à faire. Est-ce que lui, on peut le faire, là-bas? Lui, non. Ok. Et du coup, faut que je décale ça. Faut que je le mette où? On décale comme ça. Yes. Allez, encore un. Encore un. Bah... Encore un, c'est pas celui-là, on est d'accord. Mais si, c'est ça. Appuyez sur R1. Je dois le maintenir en bas. Ok. Alors. Ça y est. Les wagons sont sur la voie. Ok. Maintenant, il leur faut du courant. Là-bas. Go. Les gars sautent toujours trop loin. Là aussi, ils okay. ont saboté les commandes. Et pas le générateur. Ah, vas-y, go. Bim. C'est trop bien, franchement. Servir pour alimenter les trains. J'aime bien les petites missions comme ça. Mets-toi le son conductrice. Ah, en maintenant la touche de visée, tirer une toile conductrice sur le générateur. Ok. Maintenez L2 pour viser le générateur. Et puis sur R1 pour tirer une toile conductrice. Ok, continuez de maintenir L2 et appuyez sur R pour viser le connecteur. Là-haut. Ok. Et du coup, ça va tout actionner, c'est bon. Ok. Très bien. Allô, monsieur. Tout est parti. Vous voyez un changement à votre côté? Les panneaux viennent de s'allumer comme si c'était Noël. Bien joué, petit. Bah, c'est Noël. Content de vous avoir aidé. S'il y a un souci, postez une demande. Donc bon, finalement. Attends, j'ai un truc pour toi. Qu'est-ce qu'il a? Pas grand-chose, mais... C'est... pour moi? C'est la moindre des choses, vu que tu viens de m'éviter de perdre mon boulot. Qu'est-ce qu'il a pour nous? Bon ben, je m'en vais. On arrive. On arrive, je veux quelque chose. Salut Miles, tu viens d'arriver en Europe. Ah, Peter. Comment se passe ton premier jour de Spider-Man en solo? Plutôt bien. J'ai découvert une conspiration dans mon quartier. Classique. T'as un plan? Classique. Ça un peu comme ça vient. Ah, tu parles comme un vrai Spider-Man. Bon, si t'as besoin de moi, je serai à l'autre bout du fil et de l'autre côté de l'Atlantique. Mais... J'aime trop juste écouter en fait, même plus, oh, je ne parle même plus. Pour le cadeau. Vous avez remarqué? Ciao. A bientôt mon gars. Miles, ça appelle tout le temps. C'est tellement beau, regardez. Ah, c'est un parc. On est l'appli la plus populaire du moment à New York. Déjà ? Jette un œil quand t'auras fini avec ton oncle. Il sait toujours pas qui c'est vraiment, si. J'ai failli me griller une ou deux fois, mais j'ai tenu bon. Je regarderai bon, l'appli. Très... Ah, Central Park, comme ça, c'est incroyable. Franchement, on peut s'arrêter deux secondes. Juste, les gars. On s'arrête pas assez sur les décors au sol. Please. C'est trop bien. Central Park. Sous la neige comme ça, c'est magnifique. Moi j'adore. Perso, je... avec le beau ciel bleu et tout comme ça, ça me donne envie de faire du ski. C'est trop bien. Alors, on avance, hop là. Ça va, on avance assez vite, même quand on a des longues distances. Hop là. Vas-y, monte. Est-ce qu'on peut pas... Une question que je me pose, mais est-ce qu'on peut pas se téléporter? Par exemple là, je peux pas me téléporter repère, non. Non, on peut passer par terre. Je suis bientôt là. Dépêche-toi, Spider-Man. L'Underground est là. Il laisse des bombes sur les voies. Ah. Des bombes? Sérieux? Ils ont pas dû aimer tes réparations. Ah bah yes. Je vais faire au plus vite. Accrochez-vous et surtout ne sortez pas. Bah ouais, ok. Bon, l'épisode va être bien long du coup. Hein. Oh, c'est beau ce que j'ai fait là. Oh là là, on enchaîne. On va vite là.
Là, on va très vite. Oh là là là, on va vite là. Regardez ça. On y est. Ok. Alors, il va falloir se les faire. Hop. Vache. Vous allez vous calmer. Directement. Faut faire ça. Oh, on a même fait griller la voiture, incroyable. Allez, allez, allez. Attention. Hop, hop. Coup de grâce. Ok. Ça passe. Liquidation 15 sur 25. Ça va, on les augmente. Ils vont faire sauter toute la ligne. Pas si je m'en occupe. Ok, faut que je les bute. Je me dépêche de les buter. Vite, 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 vite. Ok, j'arrive, 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 j'arrive. Attends, on débarrasse deux. J'ai pas le temps pour l'instant. Ok, vite. Vite, 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 il me reste 30 secondes. Ça dégage. Faut que je dégage ça en fait, faut que je... Voilà. Ok, c'est bon. Ah. Ok, go. J'arrive pas à monter, j'arrive pas à monter. Faut que je fasse ça comme ça. Voilà. Ok, go. Go, 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 défonce ça. Ok, c'est le plus important. Y'en a d'autres? Attention à la bombe. Attention à la bombe. Hop. Vas-y, go. Tu leur mets ça. On leur met. Y'en a encore? Ok. Alors vite, on prend ça. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Je suis peut-être pas le meilleur. Vite là-bas. Je suis peut-être pas le meilleur en fight, mais ça va, j'essaie de faire du mieux possible. Ok. Ok. Ok, ça dégage comme ça. Attention les flics. Allez les flics. Enfin, je dis attention les flics comme si on était sur un GTA. Pas du tout, au contraire, les flics venez m'aider, c'est très bien. Attention à prendre ça. Ok, lui avec sa bombe, on est bien. Il se protège bien. Hein. Ok, là je l'ai touché, sort du rayon de la bombe. Coup de grâce. Oh là là, cet enchaînement, cet enchaînement. Ok. Ça dégage. Bim. C'est bon là, il en reste encore. Il en reste encore. Ok. Est-ce qu'il en reste encore? Il en reste un visiblement. Hop. Je peux redescendre. Attention. Il y en a beaucoup hein. Hop. On y est, toujours pas. Lui là-bas, attention. Ouf. Toi ça, le point électrique. On est bon là, non? Oh. T'as réussi, petit. Ouh. Le métro est reparti et on est débarrassé de l'underground. Un plaisir. De rien. De rien, mon monsieur, de rien. Parfait. Nickel, terminé. 3500 XP, on prend jeton 10. Oh. Est-ce que ça va, monsieur Davis? Ouais, grâce à toi. Oh tiens, un cadeau. Une carte de métro annuelle illimitée. Oh. Merci. C'est bien comme ça que ça s'écrit. Comment t'as... ok, je dois y aller. Attends, Miles. J'ai eu des soupçons en regardant le journal de hier. Il l'a démasqué. Quand je t'ai vu te battre contre ces prisonniers, tu esquivais dans tous les sens. J'avais l'impression de te revoir jouer au basket avec ton père et moi. Avant t'étais rapide, maintenant t'es une flèche. T'en fais pas, je dirai rien à ta mère. Promis. Promis.
Regarde-toi. Si ton père pouvait te voir... Il serait sûrement Furax. Il serait carrément Furax. Alors, tu vas remplacer l'autre Spider-Man ? Non. Je te l'ai dit, il est juste en vacances. Je vois. Et il t'a confié la ville ? Ouais. Une grosse responsabilité pour un gosse de ton âge. Ça me fait pas peur. J'espère. Mais écoute, si t'as besoin d'un coup de main, tu m'appelles. Je veux t'aider. Ok ? Ça marche. Merci. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Cette ville a clairement besoin de Spider-Man. Et on passe au niveau suivant. Lise vers la gauche pour consulter l'appli araignée sympa du quartier, voyons voir. Ah ouais, tout ça. Alors on va pas tout faire, mais en termes de quêtes secondaires, il y en a là. Si on veut, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors on a un nouveau gadget d'ailleurs. Forcément. On a ça et on a celui-là. On peut mettre des choses après dedans. Non, là c'est verrouillé. Et au niveau des compétences, du coup, qu'est-ce qu'on va prendre ? Appui 1, paralyse des ennemis proches. Les ennemis paralysés subissent 50% de dégâts en plus contre des attaques basiques. Ok. C'est quoi pour ça, ça ? Pour exécuter une attaque bioélectrique ramenant l'ennemi vers vous. Ok. Les ennemis paralysés qui sont jetés sur d'autres types propageront la paralysie. Je pense qu'on va prendre ça plutôt. Je pense que pour l'instant, en tout cas, on va prendre ça. Est-ce que j'ai d'autres points ? Agrandir la zone d'effet. Et oui, j'ai encore d'autres points. Magnifique. Achat impossible, achat impossible, achat impossible. Bon, qu'est-ce que c'est beau. Les amis, on va se laisser là pour ce second épisode de Spider-Man PS5 Miles Morales. J'espère vraiment et sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus comme à votre habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis j'ai hâte d'avoir vos retours dans quelques jours, bien sûr. Et notre mère, c'est à chaque outro, on doit avoir un appel. C'est toujours comme ça. On va voir. Bon, c'est plus rapide. Je voulais te demander, vu que t'es au courant de tout ce qui se passe à Harlem en ce moment, ouais. T'as entendu parler de l'Underground ? Oui. Ils n'arrêtent pas de vandaliser les propriétés de Roxxon. Et je crois qu'ils recrutent même les jeunes du quartier. Pourquoi ? Ils n'ont pas essayé de te mêler à leurs histoires, j'espère. Non, non. Oncle Aaron m'a déjà prévenu. Ouais, je l'ai croisé à la station de métro près de chez nous. Tu savais qu'il bossait là-bas ? Non. Tu sais très bien que je ne veux pas que tu le fréquentes. Ouf ! Les papas et toi m'avaient jamais dit pourquoi j'avais plus le droit de le voir. Il venait tout le temps à la maison avant, je comprends pas. Ça, c'est à Aaron de te l'expliquer. Bah mais si je peux pas le voir. Attendez une minute ! Désolé, on est en plein préparatif. C'est un peu bizarre, non ? Pas grave. Va sauver le monde, maman. Un vote à la fois. Je t'ai déjà dit que t'étais mon fils préféré. La concurrence est rude, en plus. Ah bah oui. Bisous. C'est mignon. Allez, sur ce, on se laisse, les amis. Vraiment, ce jeu est extrêmement cool, j'aime énormément. On se dit à demain pour de prochaines vidéos sur le jeu. C'était Sif. Portez-vous bien, tout le monde. Abonnez-vous pour ne rien louper. À bientôt. Ciao.